Maître Kerno Souleymane Barry. Monsieur le Président, d'atrocités de ce genre, certains sont déjà prescrits, mais peuvent faire partie de la justice transitionnelle, ou d'autres peuvent encore être dans le cadre de la justice classique. Mais à mon avis, ce qui va être encore le plus important, c'est surtout sa part de l'arrêt TADIC sur la définition même des crimes contre l'humanité. Ou d'autres arrêts comme arrêt à Kayesu, arrêt Kunarak, comme un exemple de concret, de principe, de réconcilier la Cour pénale internationale et les juridictions internes africaines. Puisqu'on aura vu une négociation qui a duré plus de 13 ans, par finir, jugement est rendu pénale internationale, dont la première pierre est constituée par les tribunaux internes. Monsieur le Président, la justice ne fait pas obstacle à l'impérieuse nécessité d'une réponse. Monsieur le Président, honorable assesseur, il ne me reste plus qu'à remercier l'attention et à formuler les meilleurs vœux pour une meilleure décision dans un parfait équilibre entre les droits de la défense, l'intérêt de nos... Je formule finalement le vœu que toutes les filles et tous les fils de ce pays puissent vivre en harmonie et poursuivre l'idéal de justice pour un développement harmonieux de notre pays. Vous avez besoin de micro. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, pendant la pause, la défense et la partie civile, nous nous sommes retrouvés. Vous l'avez été, hein? Donc, à la suite de notre concertation, nous avons souhaité que le programme soit maintenu, que le statu quo soit maintenu. Parce qu'il est pratiquement et qu'ils ne peuvent pas nous permettre d'être totalement coupés de nos cabinets respectifs. Donc nous vous prions, Monsieur le Président, comme on s'était entendu à l'entame de cette procédure, que vous acceptez qu'on continue avec le même rythme. Nous avons le souci qui vous anime et nous le partageons. Mais nous vous prions de nous comprendre. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Si ça ne tenait qu'à nous, Monsieur le Président, nous souscrivons entièrement à la proposition faite par le tribunal, c'est-à-dire que nous continuons d'affiler du lundi jusqu'au vendredi et que nous ramenions l'heure, comme vous l'avez proposé, le début des audiences. Je disais, Monsieur le Président, c'est-à-dire que nous, du lundi au vendredi, que ce soit d'affilée, que nous soyons à l'audience, et que l'heure du début des audiences soit ramenée à 9h au lieu de 10h.
Cela nous permettrait, Monsieur le Président, parce que c'est la phase des réquisitions et plaidoiries, que nous ayons un grand temps pour nos paroles respectives. Mais je comprends la préoccupation des conseils des différentes parties. Si cela n'est pas tenable, au bas, moi, Monsieur le Président, que nous partions jusqu'au jeudi. Je vous remercie. Pourquoi ce n'est pas bon? Bon, en deux mots, hein, pourquoi ce n'est pas bon? Monsieur le Président, ce n'est pas bon parce que nos cabinets sont presque fermés au rythme et déjà adopté ici. Et nous ne recevons nos clients et nous nous occupons de toutes les autres affaires de nos cabinets que seulement les jeudis et les vendredis. Oui, mais si on adoptait ça pour un mois, deux mois et finir une fois pour toutes, non, pour vous occuper maintenant de vos clients entièrement. Monsieur le Président, si nous le faisons, nous fermerons nos cabinets. Nos clients vont nous quitter. Nous sommes d'une profession libérale. Alors, ce sont nos cabinets qui nous font vivre, monsieur. Moi, monsieur le président du tribunal, je reçois vos cabinets. Hein. Voilà. Je les reçois. Je sais que les cabinets ne sont pas fermés. Oui, hein. Mais j'ai dit, si on acceptait d'être là les jeudis et les vendredis, on risquerait de fermer. C'est le risque. D'accord, on va évoluer alors. On va évoluer. Oui. Je pense qu'on ramène alors pour un premier temps, on commence à partir de 9h les audiences. Ça, personne ne dira qu'on va fermer nos cabinets à cause de ça. Voilà. Donc à partir de demain, on commence à 9h, à partir de 9h. Maître Moumini. Allez-y, maître. Merci, monsieur le président. Honorable assesseur, de m'avoir donné la parole dans cet après-midi de ce lundi 13 mai pour présenter ma plaidoirie par rapport aux événements du 28 septembre 2009 au nom et pour le compte des parties civiles. Monsieur le Président, honorable conseiller, à l'image de mes deux prédécesseurs, il me soit l'honneur de remercier le tribunal dans sa composition pour l'intérêt attentif qu'il a eu à apporter dans le déroulement de ce procès. Je vais remercier également les empereurs de poursuite qui sont les parquetiers qui ont tout mis en œuvre pour faire comparaître ici devant vous accusés, victimes, témoins et même des techniciens en la matière. Monsieur le Président, mes remerciements vont également à votre greffe qui a tenu la plume pendant une année et demie sans se fatiguer en notant mot pour mot tout ce qui se passait ici. Monsieur le Président, honorable assesseur, avec votre permission, mes remerciements vont aux confrères de la défense et de la partie civile qui ont eu à aménager une entente
au moins vous permettre, qui vous a permis de suivre attentivement nos différentes parties. Également, je remercie les services de sécurité qui, pendant tout ce procès, se sont aménagés à nous assurer cette sécurité si elle n'était pas là, on ne serait pas ici devant vous. Monsieur le Président, honorable conseiller, le 28 septembre 2009 a été un événement inédit. Un événement sans précédent. Même ceux de janvier-février 2007 n'ont pas eu cette envergure. Monsieur le Président, qu'il me soit permis de présenter géographiquement d'abord notre pays avant de venir sur le plan politique ayant amené ce carnage le 28 septembre 2009. Cette Guinée dont il s'agit est un pays de l'Afrique de l'Ouest avec une superficie de 245 000 km² et une population de près de 12 millions d'habitants. Évidemment, avec un scandale géologique qui ne dit pas son nom. Château de l'Afrique occidentale, cette population devrait vivre aisément. Le Guinéen n'aurait pas besoin de prendre un vol pour aller en dehors de ce pays pour chercher une vie meilleure. C'est en raison de ces péripéties, de ces difficultés répétées étant au bout du souffle, le peuple de Guinée s'est réveillé. Monsieur le Président, nous avons été, le Guinée a été le premier pionnier pour l'indépendance africaine. Le 28 septembre 1958, le Guinée a eu le courage, parmi les pays opprimés, à dire non aux colons français. Ce qui nous a valu l'indépendance. Après l'indépendance obtenue, ce pays a été géré par le défunt feu Ahmed Sékou Touré pendant 26 ans. Après lesquels, la gestion du pays est revenue aux militaires sous la houlette du colonel Lansana Conté à l'époque. Ce colonel a géré le pays pendant 24 ans. Après lesquels nous nous sommes retrouvés encore de nouveau sous la commande des hommes en tenue
et cette fois-ci sous la houlette du capitaine Moussa Dadis Camara. Monsieur le Président, les accusés ici présents devant vous sont renvoyés pour des cas de meurtre, assassinat, viol, enlèvement et séquestration, torture, coups et blessures, violence volontaire, vol à main armée, entrave aux mesures d'assistance et de mission de porter secours. Les parties civiles étant M. Ouribay Loba et autres, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et l'Association des victimes, parents et amis du 28 septembre 2009. Les faits pour lesquels ces accusés avaient été préalablement poursuivis étaient sanctionnés par les dispositions des articles 206, 208, 303, 305, 306, 12, 332, 233, 234.156, 239, 240, 241, 242, 373, 381, 279 et 298 du Code pénal. Avec votre permission, Monsieur le Président. Monsieur le Président, honorable assesseur, après vous avoir remercié, mon intervention s'articulera sur le rappel des circonstances, des faits et de la procédure en un mot, avant de parler du droit applicable en l'espèce. Je ne saurais être long pour la simple raison que les faits ont été relatés par mes deux prédécesseurs et les points de droit correspondants ont été largement détaillés par mes deux prédécesseurs, l'un étant professeur de droit et l'autre docteur en droit. Monsieur le Président, honorable conseiller, le 22 décembre 2008, le général Lansana Conté décéda et laissa une Guinée tourmentée avec des mouvements politiques dont tout le monde a connu ici. Cette nuit du 22 décembre, après l'annonce du décès du président général Lansana Conté par le défunt Sompare, président de l'Assemblée d'alors, les Guinéens ont été surpris que dans la matinée du 23 décembre, un groupe de militaires, à la tête duquel capitaine Moussa Dadis Camara, s'emparait du pouvoir en violation de la constitution guinéenne qui prévoyait l'organisation des élections dans les 6 semaines qui allaient suivre, si je ne me trompe. Monsieur le Président, quand les militaires ont pris le pouvoir,
ils ont proclamé la dissolution du gouvernement, la suspension de la Constitution et le président de l'Assemblée qui devrait assurer l'intérim pour les 60 jours, les deux mois précisément, n'avait plus la possibilité de le faire. Ainsi, le chef de la junte, capitaine Moussa Dadis Camara, procédera par la nomination de plusieurs officiers militaires, dont certains de ses proches, pour la consolidation de son pouvoir. Ses proches étant des amis et connaissances, parents de près de loin. Avec la ferme promesse de rendre le pouvoir aux civils à l'issue des élections législatives présidentielles prévues à la fin de l'année 2009. Voilà la promesse qui avait été tenue par le pouvoir en place et qui a été violée. Monsieur le Président, après la prise du pouvoir, le 27 décembre 2008, la junte recevait les forces vives au camp Alpha. Justement, Monsieur le Président, les faits qui ont amené les événements du 28 septembre sont édifiants. À cette date du 27 décembre 2008, le capitaine Dadis a réaffirmé devant les forces vives de la nation son intention de rendre fermement le pouvoir après les élections de 2009. Et que lui, président, et ses hommes, entre guillemets ses collaborateurs, les membres du CNDD, ne devraient pas être candidats à ces élections, mettant en confiance la société civile. Il ne cessait de répéter qu'il n'avait pas l'ambition du pouvoir. Lui, Moussa Dadis Camara. Étant entendu qu'il avait dans son programme de rationalisation du pays pour s'installer, pour avoir la confiance des hommes, des Guinéens, figurait la révision des conventions minières, la lutte contre la criminalité, la drogue et le détournement des deniers publics. C'était ça son programme. Un programme qui a rassuré tant de Guinéens. On avait déjà désormais confiance au président Moussa Dadis Camara et de son équipe. Sur ce, des entretiens après lesquels les forces vives de la nation ont donné un programme. Ça, c'était à la date du 12 mars 2009. Ce programme avait été bien ficelé par les forces vives après de multitudes de rencontres avec la junte militaire. Les forces vives ont pris un programme qui consistait
à l'élection en décembre 2009 aux élections présidentielles. Ce chronogramme a été donné publiquement au capitaine Moussa Dadis Camara, je voulais dire. Juillet-août 2009, ils se sont donné programme pour la confection et distribution des cartes électorales. Septembre 2009, le référendum pour l'adoption de la loi fondamentale révisée. Novembre 2009, élection législative. Décembre 2009, élection présidentielle. Ce chronogramme avait été clairement accepté par le président Moussa Dadis Camara. Monsieur le Président, honorable assesseur, à l'initiative de certains proches du président Dadis, les jeunes ont organisé une rencontre au stade du 28 septembre, au cours de laquelle un similaire de programme a été donné par le président Moussa Dadis Camara, confirmant les intentions des forces vives de la nation pour les élections de décembre 2009. Au stade, il y a eu des oppositions de la jeunesse qui a crié haut et fort que les élections ne sauraient être tenues en décembre 2009, mais plutôt, ils préfèrent que ce soit en 2010. Ce qui fut l'objet d'un entretien des forces vives avec la junte et le calendrier a été repoussé en janvier 2010. Suite à ce programme, voilà que des sorties intempestives du capitaine président ont mis en doute la confiance préalablement portée en lui. Quand, à la suite de sa sortie à Kaloum, le président Dadis, sous l'ovation du public, était là. Et il a déclaré ce jour que personne n'est né militaire, que les partis politiques le sachent, qu'ils sont des citoyens, que lui aussi il est guinéen. C'est en ce moment qu'il est citoyen comme eux, ils sont citoyens comme lui. S'il veut, il a dit trois fois, si je veux, je ne me présente pas. Si je veux, je me présente comme candidat. Voilà le début de la crise de confiance entre la junte dirigée par le capitaine Moussa Dadis Camara et la société civile.
la deuxième sortie du candidat de Moussa Dadis Camara. Suite à la présentation du chronogramme, ont mis les partis politiques à mal avec la junte. Le 31 août 2009, le capitaine a invité les forces vives à une rencontre qui a été refusée. La commission ad hoc mise en place, composée des forces vives et de la junte militaire, chargée d'évaluer le processus de transition en difficulté, avait constaté un retard pour la mise en place du Conseil national de transition, qui devait l'être même depuis mars 2009, et l'impossibilité technique de tenir les auditions en décembre. C'est pourquoi le renvoi a été fait pour le mois de janvier 2010. Au regard du comportement des membres du CNDD et du capitaine Dadis, affichant l'intention de se présenter aux prochaines élections présidentielles, les forces vives ont invité leurs militants à rallier le stade du 28 septembre 2009 pour protester contre la candidature éventuelle du capitaine Moussa Dadis Camara pour les élections présidentielles en perspective. Ceci étant, assoiffé de démocratie et de liberté, les citoyens, les militants ont rallié le stade du 28 septembre 2009. À l'intérieur du stade, des prières se faisaient. L'hymne national entonné. Et en fond sonore, on entendait « Liberté, liberté ». Cette liberté a été de courte durée, parce qu'à 11h, des bérets rouges, armés de fusils, ont fait irruption dans le stade et avec des tirs de position verticale, ont fait un carnage. Les civils désarmés tombaient comme des fruits mûrs. Parmi les assaillants, certains étaient armés de gourdins avec des pointes, des poignards empoisonnés appelés Rambo. Un de mes petits frères qui était au stade me disait que quand ils ont tiré sur quelqu'un, il est tombé sur lui, il est venu à la porte, que c'était ce qu'on appelait Winalos. Parce que à l'intérieur, ça tirait. À la porte, il y avait les barricades. De qui avait un gourdin avec des pointes? De qui avait un poignard?
et il y avait une heure d'honneur pour ceux qui devaient mourir. Il fallait s'y lancer. Si tu ne peux pas prendre une, si tu ne veux pas prendre une balle à l'intérieur, il faut prendre un coup de poignard à la sortie. Si tu ne veux pas prendre une balle à l'intérieur, il faut prendre un gourdin pointé à la sortie. Si tu n'es pas rattrapé par une balle à la sortie, tu pourras peut-être être sauvé. Les assaillants ne se sont pas limités à tuer, mais ils sont passés à un acte plus cruel, le viol. Des viols collectifs à ciel ouvert ont été perpétrés contre nos sœurs. Quand le procès a commencé, j'ai reçu une victime qui m'a expliqué son cas. Qui a reçu le canon du fusil dans sa partie intime. Mais je l'ai dissuadé. Je l'ai calmé. Quand nous étions devant le pool des juges d'instruction, certains de nos clients hésitaient de rentrer au vu des hommes en uniforme. Toujours il a fallu qu'on cherche à demander à ces gardes de s'éloigner pour permettre à nos victimes de viol de se faire entendre par le pool des juges d'instruction. En donnant des explications, d'autres tremblotaient. En voyant un homme habillé, elles avaient la chair de poule. Monsieur le Président, il y a lieu de vous rappeler que suite à la sortie de Dadis à Bourbinet, ayant affiché son intention ferme d'être candidat, des mouvements ont été créés, des mouvements de soutien et d'opposition à cette candidature ont été créés dans la haute banlieue de Conakry. Les mouvements d'Adis doivent rester ont été créés ou d'Adis ou la mort. Et d'autres, par contre, d'Adis doit partir, ont été là. Monsieur le Président, honorable conseiller, après avoir réprimé ces manifestations politiques, il me reviendra la charge de passer à certaines déclarations. La déclaration de certains accusés qui sont passés ici. Comme vous le savez, ils sont renvoyés pour des faits que j'ai déjà cités ici. Monsieur le Président, honorable assesseur, ont défilé devant vous ici pour leur déposition.
accusés, témoins et parties civiles. Nous retenons seulement l'essentiel de quelques déclarations, tant des accusés que de certaines parties civiles. Prenant le cas de l'accusé C.C. Raphaël Abba, je ne peux pas prendre toutes les déclarations de tous les accusés, mais pour vous faire la lumière sur certains passages saillants de ces déclarations, je prendrai quelques-unes. C.C. Raphaël Abba est un homme de rang. C'était le garde rapproché de Moussa Dadis Camara. Selon lui, il serait rentré de l'abbé seulement la veille des événements du 28 septembre. Donc, le 27 septembre, C.C. Raphaël Abba était à Conakry. Qu'il avait suite au voyage bénéficier d'un repos qui lui aurait été accordé par le commandant Toumba Diaguité, son commandant en chef, celui de qui il relevait. Que le 28 septembre, il était en compagnie de sa femme, qui était dans un état de famille très avancé et qu'il avait été également bénéficiaire encore d'une mesure lui permettant de s'absenter de son unité. Il déclarait avoir constaté à la veille du départ pour l'abbé, la présence d'un groupe de plus de 300 personnes venues de Kaléa pour la présence et qui serait dirigé par un certain Bamba. Et que l'adjoint chef du bataillon Ibrahim Sano était celui chargé de la planification des hommes et rendait compte directement au commandant du régiment, le président Moussa Dadis Camara. Il reste entendu, Monsieur le Président, honorable assesseur, que ces déclarations ne sauraient disculper l'accusé C.C. Raphaël Abba. Pour la simple raison que il a déclaré avoir bénéficié d'une journée de repos qui ne pouvait correspondre à la journée du 28 septembre, une prolongation du 29 septembre au 2 octobre, après une deuxième prolongation de congé jusqu'au 8 octobre. Pourquoi, en sa qualité d'homme de rang de militaire, il a pu bénéficier de 3 congés successivement? Dans le cadre militaire, des hommes en rang, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le bénéficier. Soit on est malade, on est à la maison, soit on est en déplacement. Là, au maximum, pour une semaine, à des rares occasions, on donne une permission de 2 semaines à un militaire. Là, son argumentation ne saurait le disculper des faits pour lesquels il est poursuivi. Parlant de Marcel Guilavogui,
il est l'adjoint de l'aide de camp de Moussa Dadis Camara. Donc, il est l'adjoint du commandant Toumba Djeguité. Cet accusé nie avoir été informé des programmes, des dispositions prises en amont pour la répression des manifestations. Alors que lors de sa deuxième comparution devant le tribunal criminel, il avait fait des déclarations très édifiantes sur les faits, sur la garde parallèle des recrues de Kalea, le voyage de l'abbé et les événements de Bambeto. Monsieur le Président, honorable conseiller, assesseur, sous mandat de dépôt depuis le 18 juin 2010, Marcel Guilavogui, de passage ici pour la seconde fois, déclarait être un homme de Dieu et qu'il a été souvent empêché de parler dans ce dossier où il y a plus de 150 personnes tuées. Et que même au PM3, il n'a pas voulu s'exprimer connaissant réellement Moussa Dadis Camara, que s'il le faisait, même son corps n'allait pas être retrouvé. Et que sans lui, et le commandant Toumba, que Moussa Dadis ne serait pas au pouvoir. Parlant de ce qu'il aurait vu et entendu ou vécu, ce Marcel Guilavogui nous a parlé d'une garde parallèle. Que le massacre du 28 septembre 2009 serait planifié par cette garde parallèle. Cette garde parallèle était composée du colonel Joseph Makambo, qui était le chargé des opérations à la présidence, le colonel Gounou Sangaré, intendant particulier et homme de confiance du président Moussa Dadis Camara, chargé de gérer les recrues de Kalia, Théodore, qui était régulièrement avec Dadis et constamment à Ouagadougou, et le commandant Begré du camp Koundara, très autoritaire et agressif. C'est la garde parallèle du capitaine Moussa Dadis Camara qui aurait, selon Marcel Guilavogui, planifié et exécuté ou faire exécuter les opérations de carnage au stade du 28 septembre. Il confirmait également que toutes les unités était rattaché à la présidence, au régiment dont le capitaine Moussa Dadis Camara était le commandant et à qui on rendait régulièrement compte. Et il affirme enfin que le président Dadis était le seul donneur d'ordre et il précise qu'un militaire n'agit jamais sans avoir reçu l'ordre. Oui, je confirme ce qu'il a dit. Un militaire n'agit jamais sans avoir reçu l'ordre. Paix à l'âme de mon frère, qui était de 90. Quand on marchait, on était sur les rails, on voit des gens se chamailler.
J'ai dit à mon frère, j'ai dit, mais écoute, tu es militaire, il faut intervenir. Il dit non, ce n'est pas sa mission. Oui, le militaire n'agit pas sans ordre. Tous ceux qui ont agi au stade avaient reçu l'ordre d'agir. Figurez-vous, quand il a été déclaré ici par un accusé qui avait deux camions de militaires et six pick-up, pardon, et quatre pick-up, et chaque pick-up avait six personnes. Et chaque personne était munie d'un fusil PMAK. Et nous savons que le militaire guinéen avec son fusil PMAK n'a pas qu'un seul chargeur. Au moins, il peut en avoir trois, au moins. Un chargeur fixé sur le fusil et deux autres attachés à ce chargeur. Figurez-vous qu'avec six fusils d'une seule pick-up, un seul chargeur, une seule balle peut ôter la vie à une seule personne. On prend le chargeur, on procède à un tir horizontal. Pas vertical, hein? Parce que si c'était vertical, on allait penser à une sommation, à une manière d'effrayer les manifestants. Mais un tir horizontal, c'est une façon, c'est un tir ciblé et qui avait pour objectif de tuer. Et leur mission était de tuer sous la houlette du capitaine Moussa Dadis Camara. Et Marcel Guilavogui n'a pas manqué de souligner que Dadis est entièrement responsable de ces massacres, car du 28 septembre 2009 au 3 décembre 2009, il n'avait pu arrêter personne pour le présenter à la justice, ni faire une adresse de compassion au peuple de Guinée. Ici, le procès s'est déroulé. Vous avez fourni beaucoup d'efforts. Mais je vois que tous les accusés ici présents sont des militaires. Tous les accusés ici présents sont des militaires. Ils ont prêté serment avant d'être sous le drapeau. Et ces serments, je les félicite quand même, ce sont des bons militaires parce que ils ont tous respecté ce serment. Tous ceux qui sont là, ils ont fait le vrai militaire parce qu'ils n'ont pas voulu vous dire réellement ceux à qui ils ont donné l'ordre pour aller au SAD. Ils ont donné l'ordre à certains pour aller au stade. Une pick-up qui doit aller avec six personnes, il faut que ces personnes-là soient identifiées sur un papier. Un camion qui doit partir avec un groupe d'hommes doit avoir le nombre, les noms et les prénoms des personnes qui seront embarquées. Mais à date, si le président Moussa Dadis Camara n'avait pas pris soin de poursuivre ou bien de faire déceler ceux qui étaient partis au stade, c'est qu'il n'a pas voulu le faire. Et si ses subordonnés qui géraient directement la troupe, qui étaient directement en contact avec la troupe, n'ont pas voulu également réagir, c'est que ils en savaient quelque chose. Ici, les 12 accusés qui sont devant nous, aucun d'entre eux n'a parlé, même pas
de son garde rapproché à plus forte raison, un autre militaire. Oui. Je connais un peu la tactique militaire. Parce que même en temps de guerre, si on trouve qu'un ami est grièvement blessé, le militaire, son partenaire, l'achève. Il prend son grade, il met en poche, il retourne avec. S'il est grièvement blessé, il sait qu'il ne peut pas le soigner. Il va éviter que l'ennemi vienne recueillir quelque chose, des informations avec lui. Il va l'abattre lui-même, il va abattre son collègue militaire et prendre sa carte et son grade, mettre en poche, continuer. C'est ça le militaire. Donc, ils ont été des bons militaires, tout ceci. Relativement aux recrues de Kalea, Marcel Guilavogui affirme que les recrues de Kalea, sous le contrôle du et la responsabilité du colonel Joseph Makambo Loa, étaient effectivement venus au camp Alpha Diallo. Donc, qui les aurait aperçus à partir du deuxième étage de son bureau. Et que ce sont ces recrues qui furent transportées dans des bus pour le stade du 28 septembre. Et que dans cette matinée du 28 septembre, en présence du colonel Joseph Makambu, à qui Dadis s'adressait en présence de Toumba, Gono Sangare, Théodore Escobar, que les leaders là sont qui? Il faut les mater. Pourquoi ils ne respectent pas l'ordre? J'ai déjà envoyé Tchegouro qui me rend compte de ce qui se passe sur le terrain. Je vais m'habiller pour partir. Oui. Chose dite, chose faite, capitaine Moussa Dadis Camara était au stade. Capitaine Dadis Camara, par sa corpulence, par sa démarche, ne ressemble à personne en Guinée ici. Donc tous les Guinéens le connaissaient. Donc les partis civils l'ont vu au stade. Et Marcel l'a confirmé qu'au vu du dispositif sécuritaire qui était placé, il a estimé que c'était le président Dadis Camara qui était là. Il a également fait état du camp 66. Là, c'est une ancienne ferme qui a été récupérée par la marine pour la formation de ces hommes. Donc, là-bas aussi étaient formés certains hommes à l'actif du capitaine Moussa Dadis Camara. Monsieur le Président, honorable assesseur, l'accusé Moussa Tchegouro Camara interrogé sur le fond affirmait qu'au moment où Moussa Dadis Camara appelait l'opposant Sidi Touré, il était 1h du matin et qu'il serait assis à côté de lui. Ce qui veut dire, ipso facto, que la planification faite par l'équipe de la garde parallèle de Moussa Dadis Camara, Tchegouro
en savait tout. C'est pourquoi même, il est allé le premier au stade pour voir réellement ce qui se passait. Et rendre effectivement compte à Moussa Dadis Camara. C'est pourquoi il s'est retrouvé nez à nez avec les opposants. Il a finalement avoir trouvé des gendarmes en place. Et ces gendarmes-là étaient composés de ces hommes de l'anti-drogue et d'autres policiers. Et qu'ils n'avaient jamais donné de l'ordre pour qu'on puisse réprimer la manifestation. Alors qu'avec le terme technique chargé, les gens ont chargé leurs fusils pour donner, pour gazer la population. Et c'est un ordre qui a été donné. Et il affirme d'ailleurs n'avoir vu ni mort ni blessé au stade. Peut-être au moment où il quittait, on ne sait pas, mais selon les parties civiles, en sa présence, d'autres sont tombés sous les balles aux esplanades. Aux esplanades du stade du 28 septembre. D'autres sont tombés dans la matinée du 28 septembre. Mais, comme on le dit souvent, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Donc, s'il dit qu'il n'a pas vu les corps, c'est qu'il n'avait pas l'intention de les voir. Quand on vient maintenant aux déclarations de l'accusé Aboubacar Diakité alias Toumba, voilà un homme apparemment qui a fait des déclarations sincères selon lui. Mais Toumba était en 2007-2008 le chef service cardiologue chargé de l'établissement des rapports médicaux d'évacuation des malades. Et au même moment, Moussa Dadis, chef de section, au chef divisionnaire des forces armées. C'est après, selon Toumba, la prise de pouvoir que le président Dadis se serait autoproclamé publiquement commandant du régiment et le général Sékouba Konaté, ministre de la Défense, comme étant son adjoint. Sur l'instruction ferme de Dadis, le lieutenant Claude Puy avait fait venir à la présidence 500 hommes spécialisés en arts martiaux. Donc, Dadis aurait besoin contre les manifestants. Dans la matinée, un certain Georges, appelant Dadis au téléphone, lui disait avoir déjà obtenu 3 bus pour le stade. Donc 3 bus remplis d'assassins, 3 bus remplis d'hommes armés contre une population civile. Si vous avez remarqué au cours des débats auquel j'ai eu à participer, j'ai toujours posé la question de savoir
si effectivement les leaders politiques avaient donné instruction à leurs militants de passer par les unités de gendarmerie ou de police pour s'armer avant de venir au stade. Parce que tout le temps, à commencer par le capitaine Dadis, ils ont soutenu que le commissariat de la Bellevue a été dévalisé et que les armes ont été enlevées par les manifestants. Alors que ce commissariat n'avait pas d'armes. Et ce commissariat n'a pas été vandalisé par les manifestants. À supposer qu'on accorde un crédit à cette déclaration, on n'a pas vu un manifestant tirer sur un autre. Comment se peut-il que nous soyons du même bord et qu'on se mette à s'entretuer? C'est très élémentaire. Monsieur le Président, avant le massacre, sur ordre du président Dadis, les recrues s'étaient rendues dans l'armurerie du camp Alfaya pour charger un camion d'armes. Là également, c'est sous la houlette du capitaine Moussa Dadis Camara. Parmi ces hommes, il y avait certaines personnes habillées en kouri et détenant des flèches. Et monsieur et l'accusé Toumba a confirmé que ces groupes d'hommes pratiquaient des séances nocturnes chez Gono Sangari avec le capitaine Moussa Dadis Camara. Des démonstrations mystérieuses de 18h à 5h du matin chez Gono Sangari. Il l'a dit ici. Que le massacre a été planifié par Dadis, raison pour laquelle même après le massacre, personne n'a été sanctionné. Personne n'a été sanctionné. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré qu'on ait vu des corps et le pouvoir en place, en minimisant le nombre de tués, a osé dire au peuple de Guinée qu'il n'y a eu que 150 morts. Et sur l'esplanade du stade, 150. Tels sont les faits, Monsieur le Président, honorable assesseur, de ma manière et d'une façon très exacte et sincère. Par rapport au droit applicable, aux faits ainsi relatés, je vous rappellerai que les 12 personnes, 12 accusés qui sont là, sont poursuivis pour des infractions de meurtre, assassinat, viol, pillage, incendie volontaire, vol à main armée, coups et blessures volontaires, outrage à agents de la force publique, torture, enlèvement et séquestration, non-assistance à personne en danger, violence sexuelle, attentat à la pudeur. Détention illégale de matériel de guerre de première catégorie et complicité de ces infractions.
Cependant, au regard de toutes les déclarations faites devant votre tribunal, tant par les accusés, les parties civiles que les témoins, il en a résulté indéniablement que les agissements de ces accusés constituent un crime contre l'humanité. Ce crime contre l'humanité, conformément aux dispositions des articles 194, 195, 196, 197, 198, 199 du Code pénal, article 16 du statut général et statut particulier des militaires portant sur les obligations et responsabilités et la responsabilité du commandement du chef des militaires et autres supérieurs hiérarchiques, conformément aux dispositions de l'article 28 du statut des Roms. Monsieur le Président, j'ai commencé par vous dire que ces 12 personnes ont été de bons militaires. Mon code de justice militaire. Le code. Justice militaire. Voilà. Non, l'ancien. L'autre. Avec toutes mes excuses. Hein. Monsieur le Président, la loi portant statut général des militaires de 1998, révisé en 2012, en son article 15, fait état des obligations et responsabilités des militaires. Cet article dispose que les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs hiérarchiques et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées. Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux conventions internationales ou qui constituent des crimes ou des délits, notamment contre la sûreté de l'État et l'intégrité du territoire national. Ça, ce sont les obligations. Maintenant, les responsabilités. On dit la responsabilité propre des subordonnés ne dégage les supérieurs d'aucune de leurs responsabilités. Le fait pour les jeunes militaires de se retrouver sur le terrain et perpétrer des tueries, des viols à ciel ouvert, ne peuvent pas, en raison de leur responsabilité personnelle, disculper leur chef hiérarchique de leur responsabilité. C'est pourquoi les 12 accusés ici présents, il ne sera pas facile de dire qu'on a vu le commandant Toumba tirer sur quelqu'un, qu'on a vu Tchéguro tirer sur quelqu'un. Mais Toumba a donné ordre, Tchéguro a donné ordre, Capitaine Moussa Dadis a donné ordre,
capitaine Diaby a donné ordre. Ils ont tous donné des ordres. Ils ont tous des hommes sous leur contrôle. Et ce jour, les hommes étaient sur le terrain. Monsieur le Président, honorable assesseur, au regard de tout ce qui vient de vous être relaté, nous allons tout simplement vous rappeler que le parquet, ayant suivi les débats ici objectivement, ayant suivi les parties civiles ici objectivement, ayant suivi les accusés objectivement et les témoins, a tiré sur la bonne ficelle en demandant la requalification des faits en crime contre l'humanité. Parce que, comme vous le savez, l'ordonnance numéro 7 du 29 décembre 2017 du cours des juges d'instruction a rendu une ordonnance et a qualifié les faits en infraction ordinaire en lieu et place des crimes contre l'humanité. Cette situation a fait couler beaucoup d'encre. Et finalement, les empereurs de poursuite qui sont là pour observer la légalité, qui sont là pour tout le monde, a requis la requalification des faits en crime contre l'humanité. Le statut de la Cour pénale internationale a été ratifié par la Guinée le 20 décembre 2002 et promulgué à la même date. Monsieur le Président, honorable conseiller, cependant, le statut de la Cour pénale internationale du 7 juillet 1998 a été publié au journal officiel numéro 1 du 10 janvier 2003. Donc, au moment de la ratification du statut de Rome créant la Cour pénale internationale, c'était la constitution du 23 décembre 1990 qui était en vigueur. C'est un rappel et que l'article 79 de cette constitution du 23 décembre 1990 prévoit que les traités ou accords régulièrement approuvés ou ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve de réciprocité. Monsieur le Président, nonobstant cette ratification, la loi guinéenne avait prévu des crimes contre l'humanité dans son code pénal. Et que cette disposition constitutionnelle est confortée par l'article 9, alinéa 6 du Code civil du 4 juillet 2019, qui dispose expressément que les lois prises au sens large obéissent à la hiérarchie suivante dans l'ordre décroissant d'importance. La Constitution, les conventions, accords et traités internationaux, la loi, l'ordonnance, le décret, les arrêtés et les décisions. Donc, il est important de rappeler que les constitutions respectives du 7 mai 2010 et du 20 mars 2020 ont adopté la même disposition que la constitution du 23 décembre 1990. Et dans le même ordre d'idée, la charte de la transition, en ses articles 73 et 114, dispose que les traités, conventions et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication au journal officiel de la République une autorité supérieure à celle des lois
sous réserve de réciprocité. Les traités et accords précédemment conclus par la République de Guinée et régulièrement ratifiés demeurent en vigueur sous réserve de réciprocité. Monsieur le Président, les faits ainsi reprochés à ces accusés constituent des crimes contre l'humanité conformément aux dispositions de l'article 28 de l'article 7 du statut de Rome. Cet article est très long, donc, mais les débats étant publics, il reviendrait pour nous une obligation, parce que nous ne sommes pas là que techniciens seulement. Vous et assesseurs, confrères, vous connaissez cette disposition. Mais le public qui est là a toujours entendu parler article 7, mais ne connaissant pas le contenu, il faut qu'avec votre permission, bien qu'étant long, que vous me permettez de le lire d'une façon très correcte à l'intention du prétoire. Parce que tous mes prédécesseurs ont parlé de l'article 7, et ils se sont résumés à ne pas le lire. Mais voilà que l'article 7 du statut de Rome sur la Cour pénale internationale y statue en ces termes. Aux fins du présent statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes si après, lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque. Petit à meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation ou transfert forcé de population, emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international. Torture, viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable. Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3 ou en fonction d'autres critères universellement reconnu comme inadmissible en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour. Disparition forcée des personnes, crime d'apartheid, autre acte inhumain de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique mentale. Au fin du paragraphe, par attaque lancée contre une population civile, on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but
une telle attaque. B. Par extermination, on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments calculés pour entraîner la destruction d'une partie de la population. Par réduction en esclavage, on entend le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés aux droits de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants. Par déportation ou transfert forcé de population, on entend le fait de déplacer de force des personnes en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs de la région où elles se trouvent légalement sans motif admis en droit international. Par torture, on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous la garde ou sous son contrôle. L'acceptation de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement des sanctions légales inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. Par grossesse forcée, on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse. Par persécution, on entend le déni intentionnel et grave des droits fondamentaux en violation du droit intentionnel, du droit international pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet. Par crime d'apartheid, on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tout autre groupe racial et dans l'intention de maintenir ce régime. Par disparition forcée de personnes, on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet État ou de cette organisation qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de relever le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée. Au fin du présent statut, le terme sexe s'entend de l'un et l'autre sexe masculin et féminin suivant le contexte de la société. Il n'implique aucun autre sens. Ça, c'est l'article 7 de la Convention de Rome, des statuts de Rome. Monsieur le Président, au regard des faits qui sont là, qui ont été débattus devant vous, ces accusés ici présents ont commis des infractions par torture. Ils ont infligé intentionnellement des douleurs aux manifestants.
Ils les ont fait souffrir moralement et mentalement, physiquement. Et ils les ont gardés aussi longtemps qu'ils n'en pouvaient. Et en plus, d'autres ont disparu. On n'a jamais vu des traces. Donc, le fait de faire disparaître certains, d'infliger des douleurs à d'autres, sont des éléments constitutifs des infractions sanctionnées par des éléments constitutifs des infractions des crimes contre l'humanité, pour lequel le parquet a bien voulu requérir. Monsieur le Président, sur la responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques, cette disposition légale est moins longue que celle qui a été lue tout de suite. Et cette responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques corrobore avec la loi portant statut général des militaires en son article 15. Je crois que la loi a été révisée en 2012. Cette fois-ci, au lieu de 15, c'est l'article 16 qui est retenu par la loi révisée. La responsabilité, selon les statuts de Rome, outre les motifs de responsabilité pénale au regard du présent statut pour des crimes relevant de la compétence de la Cour, un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des forces placées sous son commandement et son contrôle effectif ou sous son autorité et son contrôle effectif selon les cas lorsqu'il ou elle n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ses forces dans les cas où le chef militaire ou cette personne savait ou en raison des circonstances, aurait dû savoir que ces forces commettaient ou allaient commettre des crimes. Ah, là, capitaine Moussa Dadis Camara était informé de l'intention de ces hommes, des hommes qui sont sous sa couverture. Je continue. Ce chef militaire où cette personne n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en remplir ou en réprimer l'exécution ou pour en refléter ou en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuite. Là encore, après la commission des infractions au stade, Moussa Dadis n'a pas pris soin de constituer une commission d'enquête pour identifier les auteurs et éventuellement procéder à la sanction. Petit B. En ce qui concerne les relations entre supérieurs hiérarchiques et subordonnés non décrits, au paragraphe A, le supérieur hiérarchique est pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour. De la Cour commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectif, lorsqu'il ou elle n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ce subordonné, dans le cas où le supérieur hiérarchique savait que ses subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement. Capitaine Dadis a négligé
l'information qui lui parvenait pour la manifestation et la répression qui s'en est suivie. Donc, il ne peut aucunement être écarté ou disculpé en vertu des dispositions de l'article 28, ainsi cité. On dit que ces crimes étaient liés à des activités relevant de la responsabilité et de son contrôle effectif, et le supérieur hiérarchique n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient de son pouvoir pour empêcher ou réprimer l'exécution ou par en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuite. Monsieur le Président, pour ne pas vous retenir aussi longtemps, les faits que les exactions du stade soient qualifiées de faits de crimes contre l'humanité sont établis. Nous solliciterons qu'il vous plaise, Monsieur le Président, honorable assesseur, quand vous vous retirerez pour prendre votre décision, nous vous demanderons respectueusement si l'action publique de retenir les accusés renvoyés devant vous dans les liens de culpabilité de crimes contre l'humanité. Et appliquer la loi. Sur les intérêts civils, en plus des demandes formulées par mes prédécesseurs, il nous revient de rappeler que sur les noms qui vous ont été dictés, sur le cas des disparus, figurait un certain Alpha Omar Barry, dont le nom n'a pas été cité par Maître Hamidou, qui a attiré notre attention à la pause. Et ce Alpha Omar Barry est passé devant vous ici, et il a un disparu, en l'occurrence son propre père. Monsieur le Président, nous comptons entièrement sur votre sens de responsabilité, sur votre objectivité, parce que ce n'est pas la première fois que vous êtes devant nous pour traiter des dossiers criminels. Je terminerai mon propos par le hadith du prophète Mohammed de paix et salut sur lui, parlant de la justice.